Bonjour, je suis Doko Irotori Florent, guide au Bénin. Je vous emmène visiter le parc national de la Pondiary en Afrique de l'Ouest. J'adore être dans la nature, faire des photos. Du coup, je me suis dit monter des petits films est un moyen de pouvoir partager avec tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente le lion d'Afrique de l'Ouest. Appelé encore Panthera leo sinigalensis, est une des sous-espèces de lion Panthera leo. Ce félin se distingue notamment par sa crinière peu fournie. En observant cette femelle, nous constatons qu'elle a détecté les odeurs d'un mâle. Le mâle, au passage, il urine au bord de la piste sur des arbustes pour pouvoir définir son territoire, ce qui permet aux femelles de sentir et savoir lesquelles est de passage et lequel est sur le territoire. Et à son tour, peut laisser aussi ses signes en faisant pareil que le mâle. Quelques francolins pris de peur à l'arrivée de la lionne. Alors, voici comment les mâles définissent leur territoire en laissant leur urine sur des arbustes en bordure des chemins. Cette famille de lionnes et de lionceaux va jouer au fil du temps en attendant la chasse prochaine. Pour les lionceaux, jouer leur permet d'apprendre et d'acquérir des notions pour quand ils seront grands. Voici un moment de tranquillité pour pouvoir faire sa toilette. Une fois ces moments passés, alors et recommence, espérant chasser quelque chose. Voici arrivée la période des amours. Ça peut durer des heures, des jours, et même parfois difficile de pouvoir chasser. Voici l'activité du mâle, symbole de signer son territoire. La période des amours assurée garantit la survie de l'espèce par la venue des lionceaux. À très vite pour vos prochaines découvertes en image ou sur place dans le parc de la Pondiary au Bénin.